Allez, regarde, regarde. Hop, le chien, il a été ressuscité. C'est fantastique. On sauvegarde, tiens. Super. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Bien joué, Rip. Oulala, il y en a un, il veut rentrer dormir, là. Le golem, il est reparti, genre. Et moi, je suis rentré dans le machin, et hop, c'est bon, bonne nuit, hein. Eh bien, bonne nuit, petit golem. Allez, oh, ça va. Oh bah! Ah mince, il est trop petit. Faut l'avoir quand même. Ça aurait été utile contre le boss. Mais oui, je veux dire, ouais, non, mais là. Ah, ça y est, je fais deux fireballs. T'as fait maintenant deux fireballs. C'est pas incroyable. Oh. Il faut aller jusqu'à 10 fireballs, ça sera quelque chose, c'est point ou quoi? Bah, ça sert à primer, j'imagine. Exactement. Mais c'est bon, c'était qu'un petit crapaud, faut pas. Bah, mais elle aime pas les crapauds. Faut elle aime pas les crapauds, elle aime pas les crapauds, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? J'hésite à m'acheter Vesperia sur Switch. Est-ce que vous le conseillerez à quelqu'un qui n'a jamais joué à un Tales of? Bah, en fait, c'est plutôt une bonne idée de jouer à Vesperia en premier Tales of. Dans le sens que le gameplay des suivants est beaucoup amélioré, si je puis dire, qui fait que... Et encore, ça va, je trouve qu'il a pas... Ouais, franchement, non, Vesperia, parce que Symphonia... Jouer à Symphonia après avoir joué au jeu suivant, c'est vraiment chaud. Alors voilà, si tu commences par Vesperia et qu'après tu joues à Symphonia, tu vas un petit peu te dire wow, c'est quoi ce gameplay. Mais après, wow, ça reste un jeu très sympa. Symphonia après Exilia ou Grace. Ah non, mais moi j'ai joué à Symphonia après Exilia. Bah moi Symphonia ça va encore parce que voilà, j'y ai joué avant et du coup... Bah, j'aurais bien aimé y jouer avant mais je n'ai pas eu la chance d'avoir le jeu. Ah je joue bien moi franchement. Ah bien joué Ripid, il a appris ses capacités. J'ai pas compris le gameplay de Grace avant le mid-game. Ah non mais c'est vrai que nous aussi on a Ah non mais Grace, gameplay de Grace... On n'est même pas fini le didacticiel, je suis sûr. En non, on l'a pas fini. On n'a même pas fini le didacticiel. On a déjà Rashkit. Mais bon, on compte bien y rejouer de toute façon. On a déjà Rashkit, c'est juste que tu t'étais endormi en plein milieu de la partie, surtout. Sérieux? C'est incroyable. Je m'endors alors que je suis en train de jouer. Mais t'étais fatigué. Ah oui, mais quand même, c'est impressionnant. Bah, tu sais, c'était l'époque où tu faisais 5 heures de train par jour. C'est vrai comme que ça, c'était chaud. Ah, voilà quoi. Stop, arrêtez-le. On m'a simplement engagé pour un travail. On m'a dit qu'on parlait de noyaux que je pourrais trouver. Si vous voulez des noyaux dans la capitale intérieure, n'est-ce pas? Ah putain, non, c'était pas moi. Alors, c'est peut-être un de tes amis. Oui, c'est Dedechi. Où est-ce qu'il a filé? Certainement en train de compter de l'argent qui a touché chez le client. Un client, hein. Et qui ça peut-il être? Ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un du port de Torim, j'en sais pas plus. Hein. C'est un type gigantesque avec un balafre qui sur la joue droite et un œil en moins. Alors, c'est cet homme qui récupère tous les noyaux. Ouais, tu volais cet anneau de sorcier? Plutôt que je l'ai volé, c'est le client qui me l'a donné, il m'a dit que ça serait utile pour le boulot. Menteur, c'est pas le genre de chose que le chef d'une bande de pickpocket possède. C'est la vérité, vous devez me croire! Ça fait prendre l'ampleur! Je crois que c'est une bonne piste, Captain Carroll, ça me paraît trop gros pour une vulgaire bande de voleurs. Bon sang, d'abord les chevaliers, ensuite tes monstres et maintenant ça! Les chevaliers? Alors Flynn est bien passé par ici! Ah ouais, c'est lui, cette saleté de chevalier, il est nul! Rita, tu l'as assommé maintenant. Je vais demander aux gardes de la ville de revenir le ramasser plus tard. Mais non, on retourne à Aspio alors. On n'a pas besoin de passeport pour aller à Aspio, c'est bon. Tout va bien. Mais oui, c'est bon, maintenant on est avec Rita. J'ai seulement joué à Vesper Grace et Symphonia, donc je ne sais pas. Je sais pas c'était quoi la question. Bah je vois pas de question. La petite loupe magique. Oh yeah. On a bien besoin, parce que je suis sûr on est full, mais... Ah, encore un coffre. Super.
Et un petit peu d'argent, parce que tout coûte cher dans les jeux vidéo. Notamment les JRPG. Le pire truc dans les JRPG, c'est l'argent. Je sais pas à quel point on peut considérer Monster Hunter comme un JRPG, mais quand tu joues un Sectoglyph, je t'assure que t'as pire jamais truc, d'argent. C'est l'argent. C'est non, horrible. Non, le pire truc, c'est le nectar, ou je sais plus quoi, là. C'est pas le nectar, si? Le nectar? Parce que tu parles pour améliorer notre insecte, c'est ouais, ça? Ouais, ouais. Ah oui, non, c'est le pire. Hein. C'est le pire, ouais. Attention. Bon, après, il y a... Mais oui, mais c'est à cause du fait que... Mais parce que c'est le dernier, c'est l'autre seul perso qu'on joue pas en fait. Mais pourquoi c'est moi qui me prends le J2, enfin le Carole? Parce que tu as posé la réponse était dans le début de la question. Tu veux dire que comme je suis J2, je serai toujours ouais, le joueur ouais, numéro ouais. 5 ouais. Tu n'es pas. Je t'ai pas demandé si tu voulais le J1, tu m'as dit non. Passe plus le dialogue plus vite que moi. Je t'ai dit que c'était mieux que tu sois J1 parce que tu vas aller encore me dire que je passe pas les dialogues assez vite. Rappelez-vous les enfants, les passeports ne servent à rien si vous avez un MOOC qui vient du pays en question. Ponfi n'était pas là-bas non plus. Qui est ce chevalier exactement? Ton ami, Yuri. Ton ami, ça doit pas être très désagréable. Hein? Laisse tomber. Alors, qu'est-ce qu'il a amené dans cette ville? Il cherchait un mage afin de réparer le blastia cassé de Halure. Ah, ce jeune homme, il est venu me voir lui aussi. Ce jeune t'es super vieille, Yuta. Flynn est venu te voir, il allait bien. Oui, je suppose. C'est un chevalier, je suis sûre qu'il a trouvé un autre mage pour l'aider. Il est peut-être déjà rentré à Allure. Oh non. Alors, vous me faites confiance maintenant? Je ne pense pas que Yuta soit le genre à voler. Tu peux penser ce que tu veux, ça prouve pas son innocence. Mais. Ne sais pas de le persuader de me croire, mais j'ai vraiment rien fait, tu sais. Ouais, bien, j'imagine que la recherche est plus dans tes cordes que le vol. Il n'est pas très doué pour exprimer ses sentiments. Quel tordu. Je vais avertir les gardes de la ville de ce qui s'est passé. Attendez-moi dans mon labo. Tu m'étonnerais que ces gardes bornés nous laissent entrer. C'est vrai. Allez, prenez ça. Si vous montrez ça aux gardes, ils devraient vous laisser passer. Merci. C'est compris. Quittez pas la ville sans mon autorisation, vous le regretterez. Ah, trop bien, on a gagné le passeport. Yeah. J'espère que laver le nom de Rita. C'est plutôt bien que Rita n'ait pas été volé voleur de noyaux. Hein, qu'est-ce qui te fait dire ça? Je me moque bien de l'identité du voleur. On dirait que ce soit Rita, tout serait réglé. N'entends pas ça. Ouais, bien au moins on a une piste pour entendre après le vrai criminel. De ce point de vue, j'ai pas à me plaindre. Salut! Je suis sous l'entourage, vous avez le droit de rien me faire circuler. Hein. 18-19 ans. Rita, il se demande l'âge de Rita. Elle en a 15. Elle a 15 ans. Donc. Mais il a dit qu'il avait pas l'air d'avoir 15 ans. Ah ouais? Tu lui donnes combien? Ah oui, ok. Elle est toute petite, elle peut pas avoir. Elle peut pas avoir moins. Plus, pardon. Elle peut pas avoir moins, hein, franchement, quand on est petit. Est-ce que tu t'inquiètes tant pour Flynn, tu préfères partir maintenant? C'est que il faudrait que je dise au revoir à Rita. Alors détends-toi. Qu'est-ce que tu comptes faire ensuite, Yuri? Imagine que je vais rendre une petite visite à au type qui a organisé ce pillage de noyaux. Dire qu'il est allé voir. Dire que c'est là aussi qu'il allait aider Chi. Dans ce cas, on devrait aller tout droit au port de Nord. On n'a pas parlé du port de Torin. Ah, c'est vrai, t'es pas au courant. Courant de quoi? Nord et Torim sont les deux ports d'une ville qui s'étend sur deux continents. Du côté d'Ilicia, nous sommes, en ce moment, il y a le port de Capua Nord. Les gens l'appellent le port de Nord. Capua Torim est sur le port situé de l'autre côté, sur le continent de Tolbicia. C'est le port de Torim. Ouais, nous allons aller au port de Nord, il nous faudra contourner la colline des Mèdes et affronter le pire boss du jeu. Et... Je vais rentrer à Allure, je dois retrouver Flynn. Je ne sais pas, je vais peut-être retourner à Allure moi aussi.
Hein, pourquoi? Comment tu peux dire ça? Le voleur va nous échapper! Qu'une raison de paniquer, d'après notre copain des ruines, son client est installé là-bas. En outre, si nous allons vers l'ouest, ça nous rapprochera d'allure. Oh, mais je... Il va aller quelque part, il a une maladie incurable ou un truc dans le genre. Ah, si seulement il est aussi fragile. Non, désolé, pas aussi fragile. Je sais que je vous avais demandé de m'attendre, mais on peut dire que vous avez pris vos aises, n'est-ce pas? Ah, te revoilà. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au voleur? Il est probablement en train de s'engloter dans sa cellule en ce moment. Pardon de t'avoir soupçonné. Quelle sincérité! Mais j'accepte tes excuses, ça a bien marché pour moi aussi. Rita? Bien, merci pour ton hospitalité. Oh, vous partez déjà? On ne devrait pas s'imposer, en plus on est un peu pressé. Je suis contente de t'avoir rencontré, Rita. Malheureusement, nous devons partir, je te remercierai mieux plus tard. D'accord. Je te remercierai mieux plus tard. D'accord, point d'interrogation. Alors parle-moi un peu de ta petite amie, Carol. Hein? Si tu veux aller au port de Nord, c'est pour la revoir, n'est-ce pas? Comment t'es au courant? J'en étais sûr! Non, je veux dire, elle est même pas au port de Nord! Pas au port de Nord? Je vois pas de quoi tu veux parler. C'est pas mieux aussi de parler, Carole. Il est clair qu'Estelle ne va pas te lâcher. Mais c'est pas ça du tout! Estelle, elle a besoin de croustillant, vous comprenez? C'est pas assez croustillant. Si tu nous accompagnes à la sortie, autant nous dire adieu ici. Je vais avec vous. Hein, tu quoi? Oh, c'est pour ça que tu nous as demandé de partir sans te dire au revoir, hein? Ouais. C'est tout? Ouais. Tu peux t'en aller comme ça? T'es un mage important ici, non? Je tiens à voir le blaster de barrière de allure. S'il est cassé, il est inutile, non? En fait, nous l'avons réparé tous les trois. Comment ça, vous l'avez réparé? Vous n'êtes que des amateurs. On l'a ranimé, tu vois, ça a été génial. Ah, disons qu'on a eu la chance du débutant. Là, je suis vraiment inquiète. Il faut que je vois si vous avez fait ça correctement. Comme tu voudras. Quoi? J'ai jamais eu d'amis de mon âge! Je suis pas sûre que nous avons le même âge. On va bien s'amuser. Ouais. Oh, parce que bon, Carole, ça peut pas être un ami. Ah non. Il est trop petit. Ah, il est trop petit quand même. Et Carole et Rita nous ont rejoints. Je suis vraiment ravie d'avoir votre compagnon de voyage. Pas sûr que ton clan à bout. Mais doucement avec le jeune capitaine. Putain, nous devons tous faire des efforts pour nous entendre, d'accord? Est-ce que Gatsu nous a manqué? Ah bah. Hey, je me dis que peut-être que ça va bien se passer. J'ai foi en nous. C'est ce que je me dis chaque fois. C'est pas possible, au bout d'un moment, faut y arriver. D'un côté, si on fait pas la mission secrète, ça va diviser par 46 la difficulté, donc ça va. Hein? Bah regarde, là, on n'a fait aucune pour l'instant. Si tiens, l'autre, on l'a raté, hein. Je veux dire, c'est la première fois que je rate, là. It never happened before. Mais je sais même plus ce que c'était sa mission secrète. Il faut le faire tomber, je sais pas comment. Je crois que c'était marché mieux, d'ailleurs, sur le résultat. Regarde ce gros frimeur de Yuri, là, il jette son épée avec ses pattes. Vous êtes en difficile? Non, on est en normal. Canon cochon, il est là. Pourquoi la mission secrète de Gatsu déjà? C'est de paralyser avec une plante là pendant que je... Ah oui, là sur les côtés. Ouais, ok, je me souviens. T'inquiète, c'est le genre de choses qu'on réussira par hasard quand on voudra pas le faire. T'inquiète, et après il y a mieux, il y a faire tomber Zagi du bateau. Ah, lui c'est le meilleur. Oui. Ah, l'arbre est déjà en fleurs. Mais je t'avais dit, on a ramené l'arbre à la vie. Le pauvre.
Oh, vous voilà de retour comme le chevalier l'avait prédit par sa tablette de pierre. Incroyable. Ah non. Vous voulez parler de Flynn? Non, oui, oui, c'est ça. Regardez. Heureusement, vous l'aviez manqué d'un peu. Oh non, pas encore. Il a été surpris de voir que la barrière avait été réparée. Vous sauriez où il est allé par hasard? Ah non, je suis désolé, j'ignore. En revanche, il m'a confié une lettre. Trick, tu veux plus avoir de voix, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ah bah il parle comme ça, alors je fais la même voix. Mais après, tu vas dire que... Mais... Quoi? Un avis de recherche? Quoi? Ouais, je crois que je me suis fait un petit peu trop remarquer. On va se faire sacrément remarquer pour en arriver là. C'est ma faute. Allez, 5000 gads seulement. Moins cher que de faire une effraction. C'est beaucoup trop pour une simple évasion, t'as dû faire quelque chose. Bon, qu'est-ce que dit la lettre? Au port de Il dit beaucoup. Bah oui, Flynn, c'est quelqu'un qui dit beaucoup. Retrouvez-moi là-bas. Il est mignon, Flynn, avec ses 21 ans, beaucoup. Pourquoi pas? Hein, c'est facile à dire. Moi, je pensais qu'il parlait en attaché. Il dit aussi que nous devrions nous méfier d'assassins potentiels. Ah, c'est même qu'on est traqué. Qu'est-ce que c'est le type, c'est ce qu'il fait. Bien surtout qu'on aurait des ennemis dangereux à nos trousses. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller au port de Nord, je peux lui transmettre un message de ta part. Mais je... Réfléchis à ce que t'as l'intention de faire. Je vais faire en sorte que ta ne cause pas trop d'ennuis. Alors, on est séparés de tout le monde. Heureusement, nous avons... Ripide toujours avec nous. Lapido. Je dois Flynn. Je dois Flynn. Attends, je vois un truc quand même. Bonjour. Mon travail consiste à dresser des cartes, mais aussi faire des synthèses. Succession de synthèses du jour. Faire une grande H plus 1, plus à l'oreille. Oui, ça c'est mieux. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire des synthèses, Troubin? Ça, à chaque fois, c'est vraiment le truc de... Dans ce jeu, tu veux tout le temps faire des synthèses. Moi? Oui. Ah bah, c'est important. Regarde, hop, on va lui donner ça. Ah, on peut pas, si? Ah si, c'est bon. Fabuleux, fantastique. Ose me dire que toi... Ah voilà, on va pouvoir changer de personnage. On ne pourra pas mettre encore Repeat parce que c'est pas, c'est pas le bon drapeau. C'est pas le bon drapeau. Hein. Il y a un vrai drapeau. Je dois faire du shipping avec Flynn. Ah, il y a des supporters de Flynn X Estelle. Est-ce que tu supportes le shipping Flynn Estelle? Non. Bah non, de toute façon, on sait bien que c'est pas le shipping canon. On ne dira pas quel est le shipping canon. Je supporte pas les shipping pas canon. Je n'arrive pas à croire, je n'ai jamais encore rien trouvé de tel. Il y a plein de fleurs, même si ce n'est pas la saison, et la barrière est puissante. C'est vraiment un styliste qui est à l'origine de ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Carole l'a dit sans faire attention quand nous avons quitté Aspio. Tu as essayé de changer de sujet, mais c'était trop tard, j'ai tout entendu. Ah, j'étais trop maladroit. Nous autres mages n'avons rien qui se rapproche de ses talents. Alors t'as décidé de venir pour nous éliminer la concurrence? Ne sois pas ridicule, j'ai une formule à mettre au point. Une formule? De quoi tu parles? Ce n'est rien, oublie ça. Alors que cherches-tu? Tu es venu pour une bonne raison, non? Eh bien, ceci était une des premières des deux. Et quelle est l'autre? Elle dit que c'était facile de travailler sur Eblasia parce qu'ils ne te trahiront jamais. Ouais, et alors? Estelle et toi, vous êtes humaine, vous n'êtes pas des Blastia. Ah, je vois, tu t'inquiètes pour elle. Tu as peur que je m'en prenne à elle? Estelle est honnête, c'est quelqu'un de bien, contrairement à toi et moi. Je dis simplement, ne commets pas d'imprudence. Allez, rentrons, Caro et Estelle nous attendent. J'ai enfin trouvé l'indice que je cherchais. Je vais être particulièrement imprudente. Super. C'est bon, maintenant regarde, on peut même mettre Rita en premier, comme ça, oui, voilà, trop bien. Mais on peut pas mettre encore le chien, c'est dommage. Nous on veut mettre le chien, bien sûr.
J'ai trop hâte. Moi, je n'avais encore jamais vu l'arbre de la lune aussi fleuri. Oh, mais pas comme ça, la saison de fleurs d'habitude. En saison ou pas, j'ai jamais vu autant de fleurs à la fois. C'est vrai, on a eu de la chance d'avoir un spectacle aussi étonnant. Je dirais plutôt anormal qu'étonnant. Un coup, Rita. En avant, Rita. Des bottes. Elle est rentrée, tant que vous pouvez lever encore. Ça me veut de vous escorter courtoisement jusqu'à la capitale. Ensuite, on mettra Yuri à sa place au cachot. T'attendez, Yuri Lowell, ne bouge plus d'un pouce. On sent, ce type n'a jamais sa proie. Je te connais depuis longtemps, mais aujourd'hui je ne peux plus fermer les yeux sur tes méfaits. Yuri n'a rien d'un méchant, c'est moi qui lui ai demandé de m'accompagner. Ah Yuri, sale bandit, tu as forcé Dame Estelisa à te suivre. Elle vient de le dire. Non, je suis là de mon plein gré. Je vais retourner au château, mais laissez-moi encore un moment. Ah, mais c'est impossible, vous devez rentrer au château avec nous. Je ne peux pas rentrer, essayez de comprendre. Nous n'avons pas le choix, nous allons appréhender ce criminel. Mais pas moi, hein, quand même, faut pas rigoler. Mais Estelle, elle va se battre contre eux. Bien, tu as ta liberté, oh, regarde, enfin, aujourd'hui. On va apprendre à... se servir pour notre chère jauge. Bah oui. Mais alors limite, t'appartiens pas au chevalier, tout le monde peut le pratiquer. Hors limite. C'est une technique qui augmente tes capacités au combat. Comment on fait déjà? Idiot, comment on fait oublier une chose pareille? Je crois que je vais te montrer. Et ensuite, je vais te donner une allée simple vers la mort. D'abord, attaque. Ils sont maudits, attaque, attaque! Ah oui, c'est vrai, on attaque l'ennemi qui augmente l'esprit combatif. On sent tes coups ne l'atteignent pas du tout! Ça fait mal, je vais pas supporter ça plus longtemps. Ah ouais, l'esprit combatif augmente aussi quand on se fait attaquer. Ensuite, on libère. Yuri! Yuri! On va pas laisser continuer à augmenter sa puissance! Incroyable! Tout le monde attaque le... Mais non, je l'ai mis sur le même. On en a trop, ouais, comme tu dis. Allez, est-ce qu'on va réussir? Je tiens à faire mon acuité, alors je vais le faire, parce que bon, c'est un moment. Je l'ai même donné à Yuri. En fait, je veux faire un picot, hein. Pourquoi j'appuie sur en bas alors que je sais qu'il est en haut? Je le fais à chaque fois, c'est incroyable. Pourquoi j'ai lui à d'accord. Oui, c'est à d'accord. C'est bois Luigi. T'as compte que bois Luigi est plus canon à Vesperia qu'à Mario. Je vais avoir honte! Rita! Elle a dit qu'elle ne rentrerait pas, alors allez au diable! Yuri, c'est encore eux! Yes, ouais, j'ai vu, il a fait hors limite, c'est incroyable. Il savait bien qu'il nous poursuivrait toujours. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vous dirai plus tard. Carole, dans quelle direction se trouve le port de Nord? Ah bah c'est au nord. Ok. D'accord, alors allons-y. Mais je ne peux pas. Ah, décide-toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Continuer à voyager avec nous ou rentrer chez toi? Je veux continuer à voyager. Il y a un truc qui court. Ça fait tout.
Bon, j'imagine que les autres persos qui sont en train de courir sur le côté. C'est un choix, et un choix qui ne plaira certainement pas à ces chevaliers. Règle numéro 1 des chevaliers impériaux. Avec cette épée, je protège le peuple, c'est ça? Ah, c'était eux en fait. Ah non, c'était pas eux. En effet, allez messieurs, montrons ce que valent les chevaliers impériaux. Désolé. Je sais pas qu'est-ce qui court, mais ça court en tout cas. Je me dis que c'est Ripid. Ah, tu penses que c'est Ripid? Ripid il court. Je pense que Ripid c'est du genre, il est du genre à courir. Taille trompeuse. C'est pas trop difficile d'utiliser une arme aussi grande, Carole? C'est un peu lourd, mais il faut bien que je tienne quelque chose de cette taille pour avoir l'air plus grand. C'est le bon truc pour cacher ta taille minuscule. Ah, je veux paraître plus grand pour tromper l'ennemi. Par ailleurs, certains petits monstres cherchent à se grossir pour paraître plus menaçant. C'est vrai, c'est comme... Hein? Tu es en train de me traiter de petit monstre? Modifier ton apparence ne change rien à qui tu es réellement, Carole. Tu es dangereux, si c'est le cas, dis-le nous tout de suite. Ça va, je suis une lame chasseresse d'élite, y'a pas de quoi s'inquiéter. J'espère que c'est pas un autre. Bon, on va mettre Estelle. Elle nous représentera mieux, chevalier, tout ça. Eh oui, on devrait... D'ailleurs, je suis choquée que tout le monde n'a pas un costume comme ça, puisque Yuri et Estelle en ont un. Oui, je m'attendais à ce qu'ils en aient tous un aussi. Dommage. Carole, le petit monstre. Les Ukari, vous faites quête annexe. Bah, sûrement, on en fera, ouais. Alors, c'est ça, la colline des Mèdes. J'ai pas besoin de faire les quêtes annexes, on a tous les costumes. Ouais, mais non, on n'a pas tous les costumes. Non, costume pas... Père Noël. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. C'est bizarre, la barrière n'est plus là. Tu veux dire qu'il y avait une barrière par ici? Il y en avait une la dernière fois que je suis venu. C'est du gâchis d'avoir une barrière dans un endroit inhabité, si vous voulez mon avis. Tu es sûr de ne pas t'être trompé? Je connais l'emplacement des barrières, mais ça ne me dit rien. Est-ce que c'est que t'en as pas entendu celle-là? Non, on m'a dit qu'elle avait mis ça en place récemment. Qui est non? Ouais, c'est juste une amie de ma guilde. Je vais y voir si je peux découvrir quelque chose. Allez, salut! Je crois que je vais aller voir moi-même. Allez voir Katuso. D'accord, ne vous occupez pas de nous. S'ils se perdent, c'est qu'ils comptent pas sûrement pour aller les chercher. On y va, Yuri? Je sais que je l'avais déjà dit, mais... Vous vous rendez compte quand même que la démo du jeu Vesperia vous met ici pour aller affronter Gattuso quand même. Mais c'est pour dire à quel point c'est... Trop cool le jeu, j'ai pas réussi à finir la démo, il est pas mal hein. Eh, c'est interdit aux étrangers. Laissez-moi passer, je suis Rita Mordio du laboratoire impérial de recherche de Blastia. Ah d'accord. Oh, vous êtes un mage d'aspio, pardonnez-moi. Ah, vous pouvez pas faire comme bon vous semble, laissez-moi aller demander au... Oh, j'enlève son caractère. Tu trouves que tu en as assez comme ça? Et écoutez ça! Ça fait BAM! Non, ça fait SPONK! Le Blastia a fait BANG et il a volé en l'air genre POUSH! Qui a fait quoi et comment, hein? Quelqu'un qui veut chevaucher un dragon volant a envoyé une lance géante sur le Blastia et elle est repartie en volant! Demain qui chevauche un dragon, ça m'étonnerait. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille, c'est pas plutôt une... Non. Pensez aussi, mais des tas de gens ici l'ont vu! Ils disent que c'était un chevaucheur de dragon. Chevaucheur de dragon, bien le monde de plein de surprises. Hé, hey, laissez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Ok, elle est repartie. Il y a quelque chose de vraiment étrange dans cette formule de Blastia! Il n'y a rien d'étrange du tout, peut-être que vous... Vous me prenez pour qui? Je sais parfaitement qui vous êtes, le célèbre et génial mage, n'est-ce pas? Mais il existe certainement des formules que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas employer une formule aussi bizarre! Pensez à ce pauvre Blastia! Ne restez pas bouche bée, aidez-nous à attraper! Au feu, au feu! Hé, hey, qu'est-ce qu'il a ce gamin? Un incendie, je sens rien, j'entends rien. Hé, hey, sale petit menteur! Oh, ils ont compris aussi vite! Hé, hey, vous êtes avec ce gamin? Du toi, ta tête est mise à... C'est maintenant ou jamais!
Attendez un petit peu là. Ah, mais après tu comprends qu'ils ont mis ça dans la démo, c'est le meilleur passage du jeu quand même. Hé, arrête de bailler aux corneilles et aide-nous à attraper le gamin. Bon sang. Carole a quitté le groupe. Carole a rejoint le groupe. Et on dirait qu'on les a semés. Rita, tu devrais vraiment réfléchir avant d'agir. Le plastia de barrière était tellement étrange, je n'ai pas pu me retenir. Étrange, il y avait quelque chose de louche. J'ai l'impression que c'est un euphémisme. Eh bien, on a déjà assez de choses sur les bras, alors tu veux bien nous tenir à l'écart de ça. Ne vous regarde pas de toute manière. Où es-tu passé? Et la célébrité, on dirait que t'es un admirateur. Encore, ce type redéfinit la notion même de zèle. Dame Estélise, sortez de votre cachette! Vous avez tas de problèmes sur le dos, t'es qui toi exactement? Yuri, sors, où que tu sois! Tu pourras nous expliquer ça plus tard. Attendez, c'est moi! C'est Clodoa, incroyable, il sort de l'herbe, c'est fantastique! Carole, il nous fait pas des frayeurs pareilles! Quand tu lances la démo et vois ça, tu es censé comprendre quoi l'histoire? Bah tu t'en fiches, tu sais très bien que c'est un RPG, de toute façon. Tu te diras pas, ok, je comprends rien à l'histoire, de toute façon, quoi qu'en soit, dépêchons-nous, vous filez au port de Nord. De toute façon, on peut pas vraiment faire une démo d'un RPG et pas te mettre en plein milieu de l'aventure, parce que si on te met au début, et ça, ça a parlé pendant 2 heures, c'était pas très intéressant. Hein. Bah déjà là, ça parle beaucoup pour un début de démo. C'est pas une piste d'animaux. Sachant que là, on est sur cette version, on peut passer. Sur le jeu normal, on est obligé de bouton mâché. On ira plus loin, au moins. Je tiens pas à me faire capturer de nouveau. Il va falloir faire attention au monstre. Bah, un monstre ou deux, ce n'est rien pour le courageux capitaine Carole. Ouais, c'est vrai. Mais si la barrière était en état, on n'aurait même pas à s'inquiéter des monstres. C'est intolérable. Pourquoi est-ce qu'un crétin passe sa vie à casser les blastias et à compliquer la nôtre? Qui est Nan? C'est dur de faire des démos de RPG. Oui. Regarde, voici une coccinelle géante. Coccinelle géante. C'est un type insecte. Est-ce qu'à un moment j'ai mis Pipoin vers le bas sur un autre personnage pour que ça se comme ça? Peut-être, hein. Putain, c'est logique de mettre le piquant en haut. Elle fait tellement pas de dégâts, la pauvre Rita. Ouah, tu as soigné Ripid. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs, Ripid, hein, mais... Ah. Oui, il est en train de mourir. Tout va bien. On a gagné un puceron. On a gagné un puceron. Je sais pas ce que c'est censé signifier, mais on a... Alors, qui est non? Qui est-elle? J'ai remarqué que tu regardais souvent dans ma direction. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne t'arrange pas que je te pose la question? Bon, alors, voilà. Cette Nan, tu es amoureux d'elle? Nan, c'est un homme fille, non? C'est celle que tu voulais montrer les... à qui tu voulais montrer les fleurs de l'allure? Ouais, non, tu te comptes complètement! C'est vrai? Je sens, elle se fait rage si elle t'entendait dire ça. Carole, bonne chance avec elle, je suis de tout cœur avec toi! Ouais, merci, c'est encourageant. Regarde-le, lui. J'espère que tu vas utiliser la loupe magique.
c'est un bigorneau. Tu reconnais le bigorneau quand même. Ah, pourtant j'aurais juré que c'était un Bernard Lémurien. Bernard Lémurien. Après c'est vrai que il y a des gens qui font des démos de où c'est des trucs exclusifs. Le problème c'est que ça demande de refaire une scène, un environnement quoi. Je ne savais pas que ces fleurs de ce genre poussaient dans un poussent en montagne. Rita, ne touche pas. Respirer le pollen de Billy Bally peut entraîner les vertiges et une sensation d'épuisement. Billy Bally. Oh. Mais qu'est-ce que... Oh, désolé. Carole, ça va? Tu t'intéresses aux arts de soins? Non. Inutile, les arts de soins sont sans effet là-dessus. Il va falloir attendre qu'ils se remettent naturellement. Ça va prendre combien de temps? Sois fort, Carole. Rita est terrible, mais non, c'est... Rita est taquine, on dira. Rita Kin. Rita Kin, ouais, c'est vrai, ça marche. T'es épouvantable. J'ai dit que j'étais désolée. Pourquoi tout le monde essaie d'assassiner le pauvre Carole? Eh, si t'es en forme, alors allons-y. Restez à distance des feuilles de Billy Bally maintenant, d'accord? Billy Bally... Ah oh, oui, eux, c'est les pires, là. Ils peuvent nous paralyser par la peur. Et oui, après, on a game over parce qu'on a tous pétrifié. Non, mais c'est les meilleurs. Ça serait pas ça, un passe-temps? Si on retombe sur celui qui a fait ça, je le casse en deux. Est-ce que c'est une bonne... Il peut avoir toutes les raisons qu'il veut détruire un Blastia, c'est impardonnable, en point, c'est tout. Ah, être Yuri. Ah, ça demande un effort. Je joue gentiment entre vous, les enfants. Ah, tiens bon, Carole. Allez, on va le tuer. Pour tout le mal qu'il nous a fait dans notre vie. C'est Basilic. Bah oui, bah il porte bien sûr le panier. J'adore le mettre dans ma bolognaise. Ah mince, c'est... Porte bien son nom. Ah non, il a empoisonné le chien. Non, il vient m'attaquer moi. Oh, ça même... s'il m'attaque moi là. J'aime pas le soin. Ah oui, d'accord. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Je croyais qu'il fallait appuyer plusieurs fois sur le D-pad. Non, non, faut juste appuyer une fois. Qui veut voir rester? Estelle est énervée pas mal. On fera pas le chien. Regarde, une fiole de poison. Ah, c'est très bien ça. Bon, est-ce qu'il y en a de quoi soigner? On a une fiole de panacée ou qu'en sais-je, fiole de poison, oui, ça. On vient de la gagner. On peut même soigner. Voilà, nous avons la Francisque de Lancée. Est-ce que Yuri, non, t'as pas fini? Personne n'a fini. Personne n'a fini. Au caribou, Diamalix. Ah, on va lui donner la grande hache. Éloignez-vous des Billy Bally. C'est pour ça qu'Estelle elle fonce dedans. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'ai tellement envie de continuer ma New Game Plus 4 de Kaido Nation Foyard. Eh bien, bonne chance. Ah, elle a appris ses trucs. Vous avez pas passé Gattuso là-bas, on y est pas. Ah non, on y est pas encore. On y arrive. On y arrive. Un peu de patience. Voilà. Tu vas pouvoir mieux te battre avec Estelle. Super, merci beaucoup. Ah, il m'a eu. Mais on a l'avantage. Ben... On a pas du tout l'avantage, on a déjà analysé là, Pépieur. Pépieur. Non. Ah, si. Oui, bah oui. Non. Jamais.
On a gagné une pomme. Parfait. Un voyage calme et relaxant. Les yeux rouges, les chevaliers, on pourrait pas avoir un voyage calme et relaxant. Là, c'est pour te plaindre. Ouais, c'est pas ton nom que ce chevalier criait. Mais c'est toi qui t'es battu avec les chevaliers. S'il vous plaît, arrêtez, tout le monde va bien. Faites-y, je trouve ça assez amusant. Ah, si tu cherches quelque chose d'amusant, mon cher, tu vas adorer le reste de ce voyage. Oh, bah ça, c'est clair. Tu as peut-être oublié qu'est-ce qui vient de se passer, mais nous sommes toujours des fugitifs. C'est pour ça que grâce à Carole, on a dû se poser quelques instants. Merci Carole. On va peut-être me battre à la main, puisque je pleure au BNP quand je vois quand on cas du show. C'est bien, mais bon, d'un moment, voilà quoi. Foulard, il est très chaud. Oh. Ouf. C'était juste pas mal. Moi, je veux mettre un peu. Oh là 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 là, ils font trop mal. Louis est mort. C'est vrai, j'aurais dû acheter des fioles vitales. Bah là c'est... C'est un combat difficile. Ok, plus qu'un, c'est bon. Yes. Ton motivation, il est joli, hein. Bon, on a vraiment plus rien pour le ressusciter. Mais non, on a plus de fioles. Ouais, j'imagine que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un quand même dans l'équipe. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'agitation autour de la destruction dans ce Blasted Bed. Ouais. Ouais, je sais pas, j'ai trouvé l'agitation causée par Rita encore plus, hein. Incroyable. On arrête avec les détails sans importance. Bien sûr, c'est normal que les gens soient mécontents, c'était un Blastia de barrière. Les Blastias sont partis de presque tous les aspects de la vie quotidienne. C'est vrai. J'espère que vous aimez bien Carole souffre douleur. Oh! Bon, on a gagné une fiole vitale. On va... Deux! On va essayer de la garder, l'autre, pour Gattuso quand même, ça serait pas mal. Alors, on va soigner. Le gars, il est au taquet, hein. Allez, regardez. À sauvegarder, c'est incroyable. On a utilisé une fiole vitale pour rien. Mais non, c'est pas un bleu. Ah, je croyais qu'il était bleu. Non, il n'est pas bleu. Ah, il a l'air bleu quand même. Ah, regarde, toi, t'es pas fou. Hein. Mais oui, je sais. Allez, bonne chance pour le soin. Merci, mais pourquoi je peux aller. Mais pourquoi mon Star Strike il est passé à travers? Parce que tu es la hideuse, alors je te souhaite juste de bonne chance. Là j'ai appris Force, maintenant je peux donner des coups de fouet bien plus puissants. En fait je joue un Belmont. C'est tout le temps comme ça, vous. Il a pris le gros punitif. Oh.
est tous devant. On veut être sur la photo. Incroyable. Il pouvait rien faire. Le machin, il a rien fait, quoi. Tamahagane. T'as fini? Non, t'as pas fini. Faut re-sauvegarder. Faut re-sauvegarder. On va re-sauvegarder si tu veux. T'as peur de Gattuso, finalement? J'ai pas peur de Gattuso, c'est juste que comme ça, voilà. T'as peur de Gattuso? Moi, je le sais. Je joue Estelis, j'ai pas peur de Gattuso. Je reste dans un coin et je fais soin. C'est quoi? Ah ouais? Et tu feras moins le malin, la malin, la maline, quand Estelle, quand Yuri et Rupi sont morts. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ça qu'il faut prendre Carole. Faut prendre Carole, oui, évidemment, face à Gattuso, ça a l'air trop bien. Gattuso, il va en faire qu'une bouchée. C'est un des monstres qui ont attaqué Allure! Un survivant, hein? Si on le laisse en vie, il va sûrement retourner à attaquer Allure. Mais Allure a sa barrière de protection maintenant! Ouais, mes habitants de Allure dormiraient mieux sans des monstres rôdant près de leur barrière. Surtout Gattuso, quoi. Gattuso, la barrière, il s'en fiche, il passe à travers! Alors, nous avons Gattuso et jeune Gattuso. Là, il craint le feu. Regarde, Yuri est déjà presque mort. Oui, je vois ça, j'espère que j'arriverai à changer mon... Soigner jeune Gattuso. Soigner, bien sûr, oui, se soigne jeune Gattuso avec des boules de feu, ça marche bien. Regarde, il danse et il a le rythme, là. Oh non, oh. Mais il y a petit gars tout seul, il me frappe. Mais je suis mort. C'est une chose. Bon, allez, on va utiliser notre seul fiole vital. Vas-y, Yuri. Vas-y, Yuri. Gattuso, il me fonce encore dessus et m'a tué. On est pas mal là, je pense. Bon, c'est mal parti, je dirais. Dead. C'est pas mal, n'est-ce pas? Hein, on apprécie toujours Gattuso. Son en gros. Et on n'entendit plus jamais parler de eux. Et là, le blanc, il doit se dire. À décor, il doit se dire. Et le blanc et Boko, il a dit. On avait demandé à la princesse de venir et elle est morte juste après. On aurait dû insister. Tu vois, Estelle, elle veut qu'on soit full lui. Elle est prête. T'inquiète, Gattuso, il est trop fort. Le machin, il a 1 milliard de stats, c'est incroyable. Alors là, je vais bouton haché pour faire mon soin. Et te viser. Et là, j'ai réussi à le faire avant que t'appuies sur... Ouf. Bon, alors. Lutte magique, le jeune Gattuso. Voilà. Non, on le bourrit. Ah, mais tu me fais enchaîner. Mince, il est mort. Je me fais enchaîner. Ah mince, t'es mort, ok. Je n'ai rien pu faire du tout. Tu sais ce qui est terrible? Ouais. C'est qu'à chaque fois je me demande si Rupi c'est Gattuso. Un mini Gattuso. Un mini Gattuso, le pauvre! Ah le pauvre, tiens! Et je vais soigner qui là? Ok, c'est moi qui suis redevenu par défaut. Mince! Rita va mourir. Ouais. D'accord, merci. Ça a pas changé de ça. Merci Gattuso, ça fait plaisir. Ah ouais, merci Gattuso, ça fait plaisir. Ils sont morts les petits chiens? Ouais, ouais. Ah oui, d'accord, on est tous morts. Mais pourquoi ça annule? Bon, je vais ressusciter Rita. Puis, Rita, tu vas faire Art à fond, Art magique seul. Puis, hors limite, tu vas utiliser.
trop tard. Mais de toute façon, j'étais empoisonné. C'est ça le problème. Mais on l'a pas encore utilisé la fiole. Enfin, la fiole, vous savez. Une bouteille, ça va me soigner, moi. Non, c'est bon. On sait bien, parce qu'il va encore mourir. Oh là là, rapide. Oh, on lui a fait perdre 3000 HP, c'est pas mal. Non. Bon, on va ressusciter Ripid. Oh là là, Ripid, il va ouvrir. Ah, je suis tombé. Mais non. Ah voilà, elle le fait, tiens, prends-toi ta joue. Non, elle a plus de gelée, elle a plus de MP. Ah non, dommage. Alors, elle a fait quand même des dégâts. Ah ouais, quand même pas mal. Bien joué, Rita. Il fait plus rien, le chien. Ouais, on l'a, dommage, on l'avait bien chaîne. Ah, et là, il doit être pas mal, là. Oh. Ouais, j'ai bien aidé. De toute façon, c'est que Rita qui compte, hein. Bon, nous, on fait rien, on sert à rien. Ah, moi, je vous permets de. On sert juste à. Ah mince. Allez, tant pis. Tant pis, je suis leur fou. Ah mince, le chien est mort. Ah. C'était facile. Aïe. Franchement, hein. Ah, c'est trop triste, le chien il gagne pas son XP. Pink, pink. Ok, la musique. Qu'est-ce qu'il s'est à peine battu? Mais il y a peut-être une dizaine d'autres tout près. Ah, bien les bêtises, franchement. Bon, j'espère qu'il y en ait pas trop d'autres.